Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez en direct pour suivre cette manche du TCR Europe en direct depuis Pau. Très heureux de vous accueillir ici au nom de l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, au nom de l'ASAC Vasco-Béarnais, organisateur de ces plateaux sportifs, des équipes de Créasud et en particulier évidemment de tous les partenaires rassemblés autour de cet événement qui cette année fête son 80e anniversaire. Clean Fuel for All, c'est la signature, l'ambition de Fuels Europe dont je salue la direction parmi nous. Repsol, partenaire qui nous a rejoint depuis l'an passé dans cette aventure liée aux nouvelles énergies et à la décarbonation du sport automobile. Salut tout particulier à Jump, également un accélérateur de la transition énergétique. Et salut évidemment à Total Energy, partenaire incontournable et fidèle de ce Grand Prix de Pau. Salut également tout particulier au Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et à France Télévisions qui dans quelques minutes prendra le relais pour retransmettre la 80e édition du Grand Prix de Pau ayant cette année pour support le championnat de France FFSA F4. Ça sera à 15h30 précisément que sera donné le coup d'envoi de cette discipline qui sans doute abrite les grands pilotes de demain en Formule 1. Car si vous regardez aujourd'hui la grille de départ d'une manche de Formule 1, vous retrouverez des noms qui sont illustrés ici sur le bitume palois, sur ce tracé palois inchangé depuis 1935 qui va accueillir pour la première fois une manche de championnat d'Europe TCR commentée par Excellis, par Mathias Gouvet. Je dis pour la première fois, pas tout à fait, puisque hier, en fin d'après-midi, une première manche de ce championnat a eu lieu ici même avec ces TCR qui sont ceux-là, grille de départ. Et parmi ces TCR, un certain Eric Quirol qui défend les couleurs du Béarn, qui défend les couleurs de Pau et qui, avec sa voiture numérotée 64, veut faire un podium. Et plus, qui plus est, 15 secondes, vous le voyez, pour libérer la ligne de départ et la grille. Eric Salis, hier c'était une belle bataille à laquelle se sont livrés ces pilotes, 12 sur la grille de départ. Oui, effectivement, on a assisté à une très belle première épreuve de ce championnat TCR Europe alors que les pilotes s'installent et partent maintenant pour le tour de chauffe. Alors, petite inquiétude, hein, pour être très franc, lorsqu'on a regardé les images sur la grille, on a vu quelques voitures qui actionnaient leurs essuie-glaces. On espère que c'est juste pour éventuellement balayer quelques petites gouttelettes et que l'on ne va pas avoir encore une fois une mauvaise surprise du côté du ciel. En tout cas, on l'espère. Mais effectivement, hier au soir, on a vu la victoire de Dusan Borkovic, le pilote Hyundai, sur la voiture numéro 62 pour le compte du team Target Competition. Et puis, on a eu un premier rebondissement hier dès le départ avec Victor Andersson, le pilote de la Lynk & Co numéro 10, qui s'est lancé depuis malheureusement la pole position. Et confirmation effectivement, Mathias, avec quelques parapluies qui commencent à s'ouvrir dans les tribunes. Alors attention, parce que évidemment les pilotes qui sont installés sur la grille depuis un petit moment étaient chaussés évidemment en pneus slick. Alors est-ce que du côté de la direction de course, si les choses commencent à empirer, eh bien on va pas retarder le départ de cette épreuve du TCR Europe pour permettre justement aux pilotes et aux équipes techniques d'adapter des pneumatiques peut-être plus appropriées par rapport aux nouvelles conditions météo. Oui, ça va être compliqué. Après, pour le moment, on ne peut pas rouler avec des pneus pluie. Il n'y a pas assez d'eau sur la piste, donc de toute façon, c'est pas question. Après, est-ce qu'on va avoir le pari d'un pilote, comme ça a pu arriver par le passé, de passer directement par la voie des stands dès le départ pour chausser des pneus pluie et se dire qu'il va y avoir une grosse averse dans quelques instants, ce qu'on ne souhaite pas vraiment. Pour le moment, ce sont alors un petit peu embêtants pour tous ceux qui sont sur le bord du circuit parce qu'il pleut un petit peu, mais je regarde par la fenêtre. Pour le moment, je ne pense pas que ça va mouiller la piste de suite. Par contre, attention, hein, ça va vite arriver sur un moment où la piste va se mettre à glisser. Il va falloir qu'ils gardent les pneumatiques le plus chaud possible pour garder de l'adhérence. Et j'ai l'impression que c'est assez, paradoxalement, assez localisé, hein, parce que quand on regarde sur les autres alentours du circuit, oui, notamment dans c'est la remontée, ça qui est assez magique. On voit que très peu de personnes sont impactées. Ça. Si on regarde le ciel, certes, mais si on regarde également les ouvertures de parapluies ou de capuches, on n'a pas tout à fait la même vue sur les 2,760 km du tracé palois. C'est ça la magie du temps béarnais, c'est ça la magie de la météo béarnaise. Après ce tour de formation, les voici se présenter sur la grille de départ. On vous voit du côté des tribunes, on vous fait un petit coucou tout à fait amical.
Merci à vous d'être là, merci de votre patience, merci de braver parfois les intempéries. C'est une année qui restera mine de rien marquée, tant dans les annales, tant il y a eu des rebondissements avant, pendant, météorologiques, de plateaux, de programmes. On regarde les ordres de la direction de course pour que le feu passe au vert et pour le départ de cette manche du TCR, c'est parti. Oui, c'est parti avec un très bon départ hein, de Tom Coronel depuis la pole position. Tom Coronel qui n'a pas laissé John Filippi, hein, qui était le co-leader avec Tom Coronel, justement avec le Néerlandais ici en arrivant à Pau. Et on rentre Eric dans Kérol, le haut. Il y a une première friction. Là, Eric Kérol qui part dans le mur, voilà. Ça, c'était sûr. Il a voulu garder sa trajectoire, Eric Kérol. Il a insisté. C'était pas la bonne solution. Ouais, Eric Kérol là qui s'est fait entre guillemets prendre à son propre jeu hein, parce qu'il avait la place de revenir à l'intérieur de il la piste. Il a voulu fermer et personne n'a lâché. Et voilà. Malheureusement, voiture, ça va être safety car d'entrée. Voilà, pour Eric Kérol, eh bien, cette deuxième manche, malheureusement, s'arrête ici pour le Palois avec l'Audi numéro 64. Et voilà, voiture de sécurité qui va rentrer en action. On va revoir cette action avec ce premier freinage déjà au virage de la gare où c'était assez musclé déjà l'entrée du virage. Ça serait bien qu'on passe sur le ralenti. Non, on l'aura pas, on va peut-être l'avoir un petit peu plus tard. On l'aura plus tard. Voilà, pour l'instant, Eric Kérol là qui est resté dans sa voiture. On voit l'Alpine A110 du Centre Alpine Toulouse qui nous sert. Allez, on l'a maintenant. Eric Kérol qui est en deuxième plan. Hein. Et regardez, au fond de l'image, la voiture blanche et bleue. Ouais, il s'écarte un petit peu. Il va au contact sur Isaac Smith. Et c'est la 62 qui a pris l'intérieur, donc il ne peut plus s'y rabattre. Il pouvait peut-être un tout petit peu débraqué, hein, un tout petit peu. Mais c'est vrai que Isaac Smith, qui était de toute façon lui bloqué entre Eric Kérol et le rail au bout d'un moment, eh bien, il y a eu le contact avec ce rail. Et pour l'instant, Eric Kérol est resté en berne sur la piste. Et on va surveiller aussi la voiture d'Isaac Smith qui a quand même tapé hein, dans le rail. Je pense qu'il a dû s'arrêter un petit peu plus loin. Elle avait l'air d'avoir quelques soucis. Ouais, bah, il a crevé surtout Eric Kérol. Dans le, on voit bien la jante. Ça n'est pas si abîmé que ça pour. Oula, qu'est-ce qu'il fait ? Hop, voilà, on s'arrête. Il doit être un petit peu énervé, Eric Kérol, ouais. Je pense. Par contre. Et il rentre, regardez Isaac Smith. Isaac Smith ouais, qui rentre. Oula, ouais, l'avant qui est vraiment bien endommagé. Bon, il faut enlever, il faut arracher cette partie-là pour qu'il puisse repartir. C'est sur safety car. Ouais, il va y avoir utilisation abusive du marteau. Du marteau et du scotch surtout. Le meilleur ami du mécanicien. Scotch américain n'aura jamais autant servi, j'ai l'impression, dans cette intervention. Alors qu'Eric Kérol, il fait signe le safety car de passer vraiment à l'intérieur. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Il y a dû y avoir autre chose. Hein. Vous voyez les commissaires qui font bien signe de serrer à l'intérieur d'Oscar. Est-ce que c'est pas là où Isaac Smith, s'est arrêté ? Il y a peut-être des débris hein, sur la piste parce qu'on a vu la lame de la voiture d'Isaac Smith. Regardez, on s'est trompé. C'est avec Kobe Powells qui s'est accroché au virage 2. Eric Kérol, et Isaac Smith, c'est la numéro 23 qui est rentrée. Oui, alors c'est lui qui a dû taper dans Oscar. Qui a dû taper à Oscar, voilà. Ok, d'accord. Et effectivement, et Kobe Powells, la 22, qui est donc... la victime collatérale de cet accrochage avec malheureusement Eric Kérol. On y arrive. Le temps qu'on se remette en ligne. Voilà, on va mettre tout ça en ordre. Il n'y a pas de raison. Alors du coup, Kobe Powell, on l'a pas vu. Est-ce que il est toujours Il est toujours là, la 22. On le voit là avec la voiture l'Audi juste à l'image là, bleu avec les ailes, les passages de roues jaune fluo. Il est en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position, 5e position. Ouais, donc finalement, il s'en sort bien parce que pourtant, le contact avait l'air assez sévère quand même hein, sur le rail, bloqué entre le rail et la voiture d'Eric Kérol. Et finalement, Kobe Powells qui va poursuivre la course. Et a priori, là, du côté... Isaac Smith, il n'a pas l'air très content, hein, visiblement. Il a dû subir une attaque qui ne lui a pas laissé l'opportunité de pouvoir, entre guillemets, éviter le contact avec le mur de pneus, les protections de pneus qui sont installées sous le pont du côté du virage d'Oscar. Alors on va voir si on fait toujours les signes du côté d'Oscar.
Ça n'a pas l'air de demander peut-être une pièce carbone qui a dû passer, quelque chose qui... Peut-être le mur de pneus qui a peut-être un petit peu bougé avec le contact de la voiture, parce qu'il y a quand même pas mal d'inertie hein, sur un choc avec une voiture de TCR. C'est une voiture, vous le voyez, hein, ce sont des voitures dérivées des berlines de série des différents constructeurs. Donc forcément, il y a un peu plus de poids. Et du côté d'Oscar, on arrive quand même un peu vite, Mathias. Hein, ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. Non, déjà, moi, je trouve qu'on arrive vite avec nos petites voitures. Donc eux, avec les leurs, qui sont quand même des vraies machines de guerre. On doit être à 200. Ah oui, je pense qu'ils doivent être à peu près à cette vitesse-là. Voilà, et la direction de course qui nous informe qu'effectivement, elle enquête bien hein, sur l'incident de course entre Eric Kerol et Kobe Powells. Bon, après, ça reste un incident de course au départ. Hein. Ça ne changera pas la physionomie, malheureusement, de cette suite. Il n'y a pas de faute. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait de faute ni de l'un ni de l'autre. Après, ça reste des pilotes. Hein. Il n'y en a pas un qui va freiner. Voilà, personne n'a voulu lâcher. Regardez, c'est ce que j'allais dire. Les gyrophares sont éteints sur le toit de l'Alpina 110 du centre alpine de Toulouse. Et j'ai l'impression qu'ils les ont éteints un petit peu tard et que ça a surpris Tom Coronel qui, pour le coup, regardez, il a raccéléré. Elle est là, la safety car encore. Hein. Attention. Hein. Ouais, il va falloir qu'elle se pousse vite. Le pilote du safety car, on l'a senti un petit peu en difficulté pour. Oui. Et on l'a vu sauter sur les freins parce qu'il a vu que derrière le peloton arrivait et l'Alpine elle était un petit peu instable au freinage de la voie des stands. On ira voir Jérôme, le pilote du safety car, je pense qu'il doit avoir les tempes avec quelques petites gouttes de sueur. Quelques petites perles, effectivement. Voilà. Allez, c'est reparti. Et Tom Coronel qui a parfaitement maîtrisé ce restart, effectivement. Alors on vous rappelle hein, que ce sont une course qui est disputée sur un nombre de tours et non pas sur du temps. Alors, normalement, on était parti pour 20 tours, me semble-t-il, non ? Mais ouais, mais avec les tours de safety car... Ouais, à mon avis, le décompte n'est plus bon, là. Hein. On a parcouru, vous voyez, sur les écrans, si vous voyez le classement sur le côté, on est dans le quatrième tour de course. Donc, ça voudrait dire qu'il resterait 16 tours à parcourir. Oui. En principe. Enfin, je vous crois, moi, Eric, si vous le dites... Vous avez arrêté de calculer depuis hier, de toute façon. Allez, je vous dirai combien il y a eu de tours à la fin de la course, si ça ne vous dérange pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, alors qu'on on monte allègrement sur les vibreurs. Hein. Là, il n'y a pas de souci avec ces voitures-là. Et on a vu Dusan Borkovic, hein, le pilote de la Hyundai numéro 62, qui s'est imposé hier, qui revient hein, au contact de Victor Davidovski, le numéro 11. Pilote Hyundai qui est en train de commencer son travail de mise en pression sur Davidovski. Mais attention parce que derrière, Kobe Powells, ben finalement, il est toujours là. Et on voit que sa voiture n'a pas forcément trop souffert hein, de ce contact avec le rail dans la remontée vers Oscar. Ouais, lui, je pense que c'est vraiment dans la portière. Il n'y a pas de sur les trains, pas... En fait, j'ai l'impression qu'Eric Kerol crève surtout hein, sur le trottoir. Il y a une bouche d'égout à cet endroit-là. J'ai l'impression vraiment qu'il crève parce qu'on y fait attention. Donc, quand on sort de. Justement, si on va un peu trop loin, on sait qu'on peut aller se crever les pneus sur les bouches d'égout. C'est le plus gros souci, hein, finalement, sur les évacuations d'eau pluviale sur un circuit. Et j'ai l'impression que c'est vraiment quand il tape dans un angle un peu particulier, quand il se fait frotter, et il vient abîmer les jantes. Et puis, il n'y a pas de secret sur des voitures comme ça, on crève très, très vite. Hein, le moindre angle saillant qui traverse ou qui croise le chemin du pneu, c'est fini. Des jantes en alliage, donc elles sont construites pour résister à une certaine forme de pression ou de contrainte, mais effectivement, dès qu'on a un choc, dès qu'on est en contact avec un élément saillant, ça les détruit malheureusement. Allez, on a Kobe Powells là qui a perdu un tout petit peu de terrain sur Borkovic, le numéro 62, alors que devant, eh bien, Tom Coronel maintient le groupe de furieux qui est derrière lui à distance, puisqu'il s'est créé une petite marge de sécurité, le pilote néerlandais. Pilote néerlandais qui, hier au soir, avait été un petit peu moins en réussite puisqu'il avait terminé à la sixième position. Attention, attaque. Attaque de Davidovski sur Filippi. On le voyait. Et c'est passé. On voyait qu'il était, pressant dans la descente de Poimiro, un peu plus rapide. John Filippi qui est actuellement deuxième de ce classement hein, avec 98 points. Après les courses d'hier, Tom Coronel qui est en tête de ce championnat d'Europe avec 101 points. Et John Filippi, on l'a senti moyennement en l'aise tout au long du week-end. Ouais.
Et il faut dire qu'en fait, l'écart s'est fait puisque Tom Coronel, hier au soir, termine juste devant John Filippi, pardon, ce qui fait que bien, la différence de place donne la différence de points au classement provisoire, puisqu'on rappelle qu'à l'issue de la première course, Filippi et Coronel étaient repartis dos à dos à égalité avec 80 points. Je suis étonné quand même parce que vous avez regardé ensemble hein, quand Davidovski est passé, Filippi a de suite marqué le pas. On a l'impression qu'il vraiment il bouchonne, il est beaucoup moins vite. Il a déjà la pression de Borkovic derrière lui, la 62. Et Borkovic avait failli hein, s'engouffrer dans la porte ouverte par Davidovski. Il va vite y aller. Hein. Ouais, je pense que là, au prochain freinage du virage de la gare, à mon avis, Borkovic, il va certainement essayer de passer. Il est bien sur la partie rapide et dès qu'on arrive sur le haut du circuit, le lent, on le trouve un petit peu moins bien. Puis je pense que Powell, qui a besoin de marquer des gros points en championnat aussi, va essayer vite de klaxonner. Et Davidovski, il va mettre la pression directe à Coronel. Hein. Et finalement, c'est bien la 23, c'est bien Isaac Smith. Ah d'accord, eh bien, c'est bien, on a dit des bêtises. Non. Au début, on avait dit bon, c'est le numéro. C'est effectivement suite au bandeau d'information de la direction de course qu'on a. Nous, on croit. Voilà. Après, c'est vrai que quand on regardait la voiture de Kobe Powell, la numéro 22, elle portait aucune trace du contact, soit avec la voiture d'Eric Kerol, soit avec le rail. On pensait qu'il s'en était sorti vraiment de façon très chanceuse. Mais au final, c'est bien effectivement un contact avec Isaac Smith qui a amené cette première neutralisation suite à l'accrochage donc entre Isaac Smith et Eric Kerol. Allez, on a deux bagarres en cours aux deux niveaux de la tête de cette épreuve. C'est des furieux. Ouais, Tom Coronel face à Davidovski pour le gain du leadership et derrière. Oh, ça passe. Oh, il a tapé. Il a tapé, il me semble, John Filippi. C'est la 11. C'est Davidovski qui a tapé. Ouais, Davidovski qui était en chicane. Ouais, il était en train d'essayer de revenir sur Tom Coronel et malheureusement, va falloir qu'il rentre dans la voie des stands s'il peut le faire. En coupant allègrement la ligne blanche. Ouais, je pense qu'il doit avoir un problème de. Je pense qu'il a crevé ou alors il a un souci. On a vraiment eu l'impression qu'il est allé large sur la chicane. Et du coup, ce qui fait que Filippi revient deuxième. Voilà. Mais pas pour longtemps, je pense. Hein. C'est sans lui manquer de respect. Quand même l'impression qu'il bouchonne un petit peu Borkovic, la 62, qui a l'air plus rapide. Vous avez vu, il va large partout. On a l'impression qu'il n'a vraiment pas d'avant sur sa voiture. Il a du mal à trouver les points de corde. Est-ce que c'est, après, ce qui est largement possible, une gestion de pression de pneus plutôt basse au départ pour pouvoir être mieux en fin de course ? À suivre. C'est parce qu'il y a toutes ces petites nuances aussi. Où certains pilotes veulent avoir, quitte à lutter un petit peu en début de course, avoir des pressions un peu plus basses. Et le pneu va être très bon sur la fin du relais. Et là, pour le coup, on le voit, il a vraiment du mal à trouver les points de corde. Après, bon, il y a la pression derrière de quatre voitures. On les voit aussi dans les rétroviseurs. Après, ça fait faire des bêtises. Il a l'avantage aussi, John Filippi, pour résister du tracé palois. Hein, 2 760 km, très sinueux. On est sur, évidemment, des abords de piste très agressifs, hein, puisque dès qu'on fait une petite erreur, à l'image de ce qui s'est passé il y a quelques instants pour Davidovski, eh bien, on se fait tout de suite sanctionner. Donc, il peut défendre de façon un peu plus sereine que si on était sur un vrai circuit où il y aurait des possibilités des fois d'attaquer en étant peut-être un peu moins sûr de la réussite de son attaque. Là, il faut quand même se préserver et surtout préserver la voiture. Et il est reparti. Il est reparti, mais très loin. Hein. Ouais. Il est reparti. Il va un tour quasiment. Bientôt. Mais Tom Coronel, là, qui va... Le blocage de Borkovic. Il commence à s'impatienter, je pense, derrière. Ouais, mais pour l'instant, il n'arrive pas à se mettre à la hauteur de John Filippi pour le coincer, pour prendre une trajectoire intérieure, pour repousser John Filippi à l'extérieur. Pour l'instant, le point le plus évident pour une attaque, ça serait évidemment au freinage du virage de la gare au bout de la ligne droite des stands. Mais pour l'heure, il faut être en mesure déjà d'être au contact. Et comme vous l'avez souligné, Mathias, John Filippi, dès que les rectilignes se présentent, sa voiture, elle est rapide. Ah, il va se faire pousser à force parce qu'on l'a vu, l'image était très intéressante dans le parc Beaumont. On avait les trois voitures derrière lui qui étaient vraiment complètement intérieures. Et lui, on ne voyait pas qu'il était à cheval sur les deux voies. On voyait bien qu'il n'arrive pas à garder vraiment le point de corde.
On l'a vu pareil dans la descente, le début de Poimiro. On a vu qu'il était très large par rapport à Borkovic, qui d'ailleurs a essayé de l'attaquer pour le coup. Donc c'est bizarre, ou un petit réglage de train qui est pas le même. Il préfère garder de la ligne droite. De toute façon, sur le haut du circuit, c'est compliqué de se faire attaquer. Il y a plusieurs explications à cela. Oui, attention quand même pour Borkovic, parce que derrière, le pilote belge Kobe Powels est insistant également. Donc, ce qui pourrait peut-être permettre à John Filippi, pourquoi pas, de se créer une petite marge de sécurité. Parce que si désormais Borkovic est plus attentif à sa défense de ligne, attention à l'intérieur. Il a envie d'y aller. Ouais, il a hésité. Ouais, franchement, on a vu. Hein, le moment, passe pas. Ouais. Ça passe pas là. C'est sûr, c'est pas possible. Bah là, ça passait pas sans contact. Ça, c'est une évidence. Ah oui, après, ça peut passer si on joue aux autotamponneuses. Voilà, on peut le faire viril mais correct. Exactement. Après, bon, c'est pas la fête foraine non plus. Voilà, mon cher Eric. C'est pas les autotamponneuses. Mais en tout cas, Borkovic, ouais, clairement, il a envie de passer hein, sur John Filippi. Et d'autant plus que, je vous le rappelle, derrière Kobe Powels, hein, sur l'Audi numéro 22, il est très, très insistant également. Donc, à force de se focaliser sur l'attaque de John Filippi, attention pour Borkovic de ne pas se faire surprendre par une attaque de Kobe Powels. Après, attention, hein, parce que John Filippi, sur le dernier tour, a tourné en 1:24.084, bon, ce qui n'est pas le meilleur tour pour le moment. Mais c'est-à-dire qu'il tourne quand même une demi-seconde plus vite que Tom Coronel. Hein. Tom Coronel n'est pas en train de s'échapper. John Filippi ne fait pas non plus un bouchon. C'est juste que ça va très vite dans ce groupe-là. Hein. Allez, Kobe Powels, là, qui reste derrière notre ami Borkovic, Dusan Borkovic. Le pilote serbe, le pilote de la Hyundai numéro 62. Et devant le leader, on a toujours Victor Davidovski, le numéro 11, qui est reparti en course. Mais il ne va peut-être pas se faire prendre un tour, puisque globalement, il a le rythme des hommes de tête. Hein. Il vient de tourner en 1:24.483. Oui, donc, mais ce n'est pas lui qui est devant. Voilà, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas la 11 qui mène, c'est bien la 34. 2 secondes et 233 millièmes, hein, c'est ce qui sépare Coronel de Filippi. Par contre, Filippi a 2 dixièmes d'avance sur Borkovic qui lui met une pression de ouf. Là, ça attaque fort les vivres, fort pour Tom Coronel qui était même un petit peu en travers hein, du côté de la statue Foch. Attention à ne pas commettre non plus la faute de déconcentration, peut-être en n'étant pas attaqué pour le moment. Après, il y a du métier hein, avec Tom Coronel. Oui. Il a l'expérience, hein, pilote du championnat du monde WTCC, pilote d'endurance, pilote Corvette. Non seulement on peut dire qu'il a l'expérience, c'est une seconde 6. Regardez comme ils sont revenus. 1:06. Ils ont repris 6 dixièmes sur Tom Coronel, John Filippi. Je vous l'ai dit, peut-être, qu'est-ce qu'il a fait entendre John Filippi au dernier tour ? 1:24.489 pour Tom Coronel, 1:23.805 pour John Filippi, 6 dixièmes de reprise sur le dernier tour par John Filippi. Est-ce que tout simplement, ce n'était pas une pression de pneus, comme on le disait ? Il a voulu faire la fin du relais avec des pneus optimum. Ouais, et puis... Pour l'instant aussi, d'un autre côté, Tom Coronel, qui n'est pas sous la menace directe hein, de ses poursuivants, peut se permettre peut-être de gérer un petit peu, à moins qu'effectivement il y ait un vrai, vrai problème sur son Audi numéro 34. On va le savoir dans quelques instants parce que là, il va falloir réagir effectivement pour Tom Coronel qui voit revenir dans son sillage John Filippi qui emmène Dusan Borkovic et Kobe Powels alors que Victor Anderson sur la Lincoln Co numéro 10 a un petit peu de mal hein, pour faire la jonction. Mais voilà. Regardez encore, hein. ils ont repris 2 dixièmes dans le premier secteur. Ouais, il va falloir surveiller la réaction de Tom Coronel. Est-ce qu'il était en gestion et qui maintenant, eh bien, vu que le danger se rapproche, va devoir réaccélérer et remettre un petit peu de rythme ? Il y va, Borkovic. Ouais, il va être poussé à l'extérieur. C'est bon, oh, magnifique, ouais. Dans Poimiro. Et là, il a fait sauter le bouchon Filippi, là. Hein, qui n'était pas vraiment un bouchon, en plus. Non, mais on le voyait à cet endroit, clairement, il était c'était plus vite. C'était peut-être une gêne, mais pas voilà. Un bouchon. Il était plus vite dans Poimiro. Et là, il a le pilote Hyundai, c'est pareil. Il a vu aussi qu'on se revenait sur Tom Coronel. Et il se dit peut-être qu'il y a un bon coup à jouer pour aller chercher la victoire et pourquoi pas réaliser un doublé. Ouais. Et Borkovic, meilleur secteur, il améliore son secteur 3. Alors on nous donne 1:04, on va le voir de suite hein, au pointage après le pont Oscar de savoir s'il a... Mais visuellement, je pense qu'il est revenu dans la seconde. Oui, ça, clairement, hein, clairement, on le voit, on va attendre l'intermédiaire.
Attention, le voici, le pointage intermédiaire, 27-933, 27-472 pour Borkovic contre 27-933 à Coronel, ce qui fait que, eh bien, Tom Coronel, le néerlandais, a laissé filer quasiment 5 dixièmes, ce qui n'est pas rien dans ce premier secteur chronométré. 10 tours, Eric, 10 tours. Est-ce que Tom Coronel va tenir alors qu'il vient de passer la moitié de la course plutôt tranquille, hein, dans un fauteuil de leader qu'il avait maîtrisé jusqu'à maintenant? Il reste plus que 10 tours et Tom Coronel, qui avait eu jusqu'à 3 secondes d'avance, est revenu à 1 seconde, même un petit peu moins, je pense, maintenant. Borkovic, qui va être dans les échappements de Tom Coronel dès le virage de la gare. Regardez, ils sont du côté de la chicane. Ça va arriver de suite, Tom Coronel qui 5 dixièmes maintenant seulement d'avance pour Tom Coronel. Il est là, Borkovic, il a gagné hier, il a envie de faire le doublé ici du côté de Pau. Ouais. Et Tom Coronel, là on va vite savoir, hein, si effectivement il est sur la défensive ou s'il était dans la gestion. C'est maintenant ou jamais pour le pilote néerlandais s'il veut aller au bout de cette course avec la première marche du podium à l'arrivée. Est-ce qu'il était gestion, pas gestion? 9 tours pour le savoir, hein, si Tom Coronel va inscrire son nom au palmarès de cette course de TCR Europe ici du côté du tracé Palo, alors que ça se bataille partout. Hein, ils sont en 3 secondes les 5 premiers, 3 secondes 4 même. Alors que Filippi a repris un peu d'air pour le podium. Hein. Ouais, Filippi semble assez confortable pour l'instant en troisième position. Alors, on va surveiller évidemment le retour de Dusan Borkovic sur la Hyundai numéro 62. Il va revenir certainement s'il continue sur ce rythme. Quoique, Tom Coronel est en train d'accélérer la cadence. Il vient de réaliser sa meilleure performance personnelle dans le premier secteur. Visuellement. Après, ouais, Borkovic, après, il va revenir au contact. Mais après, il va falloir trouver l'ouverture. Et on a vu qu'avec Filippi, ça passe. Ouais, mais enfin, on a vu qu'avec Filippi, il avait mis du temps à dépasser le Français. 6 tours, 7 tours. Et attention. Ouais. Après, il va mettre la pression. Un freinage raté, une petite erreur de trajectoire. On sait le talent, hein, de ces hommes-là, avec un volant entre les mains. Et Borkovic qui revient. Regardez, Tom Coronel qui est en train d'inscrire le record du tour en course pour le Néerlandais. Alors, le vieux Briscard. Ouais. Lui aussi, il a de l'expérience. Oh là, il y a eu un souci, là, semble-t-il, sur la voiture de Victor Anderson, la Lichenko numéro 10. On a vu son pare-choc qui s'était détaché. Pare-choc arrière, côté gauche, qui semble flotter un petit peu et frotter sur la piste. Alors, s'il a fait, il a fait tout seul parce que... Peut-être à la chicane sur le trottoir, chicane, non? Ouais, on regardez, voit. Voyez l'image, là, on voit que... Ouais, c'est bizarre quand même, parce qu'on dirait quand même c'est... On allait lui faire un bisou arrière sur le sur l'image. C'est assez surprenant. Donc, est-ce que c'était pas plutôt dans la course et que ça s'est peut-être cassé au après départ, la vitesse, puis, ouais. Voilà, peut-être effectivement, ou même en montant sur les trottoirs, justement ici dans cette chicane au niveau de la statue Foch. Ça ressemble à une dédicace quand même. Ouais. Messieurs, nous arrivons dans cette toute dernière partie de compétition. Qu'on est heureux du spectacle apporté par le TCR Europe ici. C'est à la hauteur de nos espérances. Et il est revenu, Dusan Borkovic. Il avait perdu un petit peu de temps. Il vient de reprendre une demi-seconde dans le secteur 2 pour à nouveau être dans les échappements de Tom Coronel. Pas assez encore, hein, pas assez pour aller porter une attaque. Non, c'est clair. Et même s'il fait son meilleur troisième secteur, Borkovic, Tom Coronel conserve 6 dixièmes d'avance. Ça suffit, hein, dans le contexte du tracé palois. 6 dixièmes, du moment que vous n'êtes pas au contact, vous ne pouvez pas attaquer. En plus, on ne peut pas attaquer n'importe où parce qu'on l'a bien compris. Les subtilités du circuit palois font que si vous vous ratez, eh bien, vous êtes tout de suite sanctionné par les rails qui bordent la piste. Donc attention à l'attaque à l'intérieur, à l'épingle du lycée. Anderson qui a été un petit peu généreux là sur Kobe Powells. Il a cru pouvoir prendre la quatrième place au pilote belge. Malheureusement, il a dû prolonger son freinage. Une petite goutte d'eau pour Anderson. Et malheureusement, eh bien, statu quo pour ce qui concerne la Lichenko qui reste en cinquième position. Et celui qui souffre, c'est John Filippi.
pour le coup, lui, il se dit ah, ça y est, qui s'amuse entre eux, laissez-moi tranquille. Ouais, je vais finir troisième. C'est tout bénéfice pour le Français, effectivement, qui est maintenant hors d'atteinte hein, des deux voitures qui sont en tête de la course et qui maintenant eh bien, compte environ une demi, voire une seconde d'avance maintenant sur Kobe Poels et Victor Anderson, vu qu'ils sont un petit peu chicorés du côté de l'épingle du lycée. Ils ont laissé filer le Français. Tom Coronel qui attaque son 16e tour. Il en resterait 6 d'après nos informations sur nos écrans de contrôle. C'était peut-être une tour course de 22 tours et pas de 20 tours. En tout cas, au moins 4 tours. Et Borkovic, il est là, mais on sent qu'il n'y a pas encore la possibilité d'aller vraiment, vraiment se rapprocher. On va regarder les premiers secteurs. Secteur 1, secteur 2. Borkovic a l'air un peu plus rapide, ouais, vous voyez, ils viennent de passer Tom Coronel avec un secteur 1 en 27-793 et Borkovic avec un 27-702, ça se joue à 9 centièmes, c'est pas suffisant. Non, là, c'est pas suffisant. Et encore une fois, c'est ce que je disais. Hein. Revenir au contact, oui. Après, trouver l'ouverture, surtout vis-à-vis de Tom Coronel. Tom Coronel qui va user de toutes les ficelles hein, de son expérience pour tenter de garder la Hyundai numéro 62. Regardez, il commence déjà à freiner milieu de piste du côté de Pouémiron. Il peut essayer de le doubler en dédicace. Oui, aussi. Appuyer sur le pare-choc arrière, ça et passe. Par contre, on a vu effectivement que Borkovic, du côté de Pouémiron, il n'était pas avare de tentatives puisque c'est là où il a débordé Philippi. Ah, attention, petite pièce de carbone dans le droit des stands. Heureusement, hors trajectoire, mais si un commissaire de piste pouvait intervenir, sachant que le groupe est relativement réduit hein, encore en piste, donc il y a peut-être la possibilité d'intervenir pour un commissaire de piste. Une fenêtre de tir. Ouais. Et Tom Coronel, sa grande chance, j'ai l'impression en tout cas visuellement, c'est qu'il ressort mieux de la chicane que Dusan Borkovic. Et donc ça lui donne un peu d'air à chaque fois dans la ligne droite. Et après, Borkovic revient dans tout le haut. On va le voir encore. Oui, il est mieux dans le sinueux, hein, clairement. Ouais. Clairement. Mais c'est-à-dire que s'il se rapproche un peu plus, il va le pousser dans Foch. Commencer à être... Les prévisions... Stressant. Prévisions météorologiques. Impact dans 3, 2... Alors, ce n'est pas à souhaiter, bien évidemment, mais en tout cas, ils font preuve d'une... énorme dextérité hein, ces deux pilotes parce que croyez-nous même si Borkovic il est évidemment hyper motivé à l'idée de doubler Tom Coronel il doit s'employer et il doit être excessivement concentré également sur ses trajectoires, ne pas commettre la moindre erreur parce que un, il risque d'être sanctionné par le rail et deux, de laisser l'opportunité à Borkovic eh bien de le déborder et de filer éventuellement vers un doublé puisqu'on rappelle qu'hier au soir c'est le pilote Hyundai qui s'est imposé. Et attention à John Philippi, puisque Kobe Powells a refait la jonction. Ouais, Kobe Powells qui était loin tout à l'heure et qui finalement revient sur le Français. Il va rester 4 tours maintenant, 4 tours avant la présentation du drapeau à Damier. Et pour Philippi, eh bien, après avoir tenté en vain de résister à Borkovic, eh bien, la fin de course pour préserver la troisième marche du podium pour le Français, eh bien, ça va être de résister à la pression imprimée par l'Audi numéro 22 du pilote belge Kobe Powells. On va regarder un petit peu plus loin dans le classement avec les pilotes locaux et je vois que nous avons Dorian Dutil du team CDRS sur la numéro 41 qui est 7e pour le moment, première course européenne pour Dorian Dutil en TCR et 7e position. Le voilà bien placé et en train de prendre du plaisir sur le tracé palois, le team CDRS qui nous a fait le plaisir d'amener spécialement pour Pau trois voitures et on remercie et on fait quand même une belle dédicace à Cédric Ducos, son team manager. Allez, les voitures de tête emmenées par Tom Coronel avec dans son sillage Dusan Borkovic. Alors qu'on nous signale que Dorian Dutil malheureusement a tapé le rail au poste 3 mais qu'il est reparti. Il est reparti en piste. Et nous sommes dans les trois derniers tours. Trois tours pour Tom Coronel à résister à la pression de Dusan Borkovic. Trois tours également pour John Philippi.
pour tenter de repousser les attaques de Kobe Powells pour la dernière marche du podium, parce que c'est l'enjeu de cette bagarre. Et attention à Victor Anderson là, qui bloque un peu la roue arrière droite au moment de s'engager dans le virage de la gare pour et peut-être être l'élément non, il est trop loin, me semble-t-il, pour venir se mêler à la bagarre pour la dernière marche du podium. Mais attention, sait-on jamais. Et Borkovic, on a l'impression qu'il marque un petit peu le pas sur la bagarre pour cette troisième place. John Filippi, le Français, deuxième de ce championnat d'Europe après la course d'hier, qui va devoir contenir Kobe Powells. Et Kobe Powells, si je ne dis pas de bêtises, il est juste derrière lui au championnat d'ailleurs. Kobe Powells qui a 82 points, John Filippi en a 98. Oui, là, de toute façon, si le Français reste devant le Belge, évidemment, il confortera son avance sur le pilote de l'Audi numéro 22 dans le cadre du classement provisoire. Et voilà, on le voit, hein, Filippi, il est à la... Il s'emploie, en maîtrise. Ouais, en maîtrise. Mais en tout cas, il est bien, bien installé. Et clairement, il n'a pas envie de laisser s'envoler cette dernière marche du podium, alors que nous allons rentrer dans quelques hectomètres dans les deux derniers tours de course. Voilà, les leaders qui viennent de franchir pour l'avant-dernière fois la ligne de chronométrage. Et on suit toujours la bagarre entre John Filippi et Kobe Powells. Là, on l'a vu, hein, à l'image de ce que vous disiez, Mathias Borkovic, je pense qu'il s'est résigné. Il a dû se dire, bon, je vais me contenter de la deuxième marche du podium. C'est toujours des points importants pour le championnat. Et on va laisser filer Tom Coronel, qui va conforter sa place de leader. Par contre, la bagarre pour la troisième place, attention, parce qu'on remonte sur Christian Philippon, le numéro 17. Ça peut avantager ou John Filippi ou Kobe Powells, hein, suivant où ils vont tomber le pilote de la numéro 17. Il va falloir surtout être attentif, hein, du côté des commissaires de piste pour bien présenter le drapeau bleu à Christian Philippon pour pas qu'il gêne, hein, cette explication entre John Filippi et Kobe Powells. Et attention, parce que là, on arrive du côté de la chicane de la statue Foch, me semble-t-il. Et c'est le pire endroit là pour se faire bloquer. Ça va. John Filippi, je pense qu'il va pouvoir déboîter Christian Philippon dans la ligne droite qui mène au stand. Et Pouémiron, là, ça va passer sans encombre, me semble-t-il. Ah, ils vont recoller la chicane sur Christian Philippon. Ouais. Et Tom Coronel, lui, qui contient toujours... Dusan Borkovic, et qui va rentrer dans quelques instants dans son dernier tour. Dernier tour pour le pilote néerlandais, pour le leader du classement provisoire. Voilà, et Philippon finalement qui s'écarte et dans cette ligne droite qui ne gêne absolument pas. L'explication, entre John Filippi et Kobe Powells, ouais. Pour Victor Anderson, ça a été un petit peu différent. Moi, le petit coup de volant pour redresser la voiture. Je pense qu'il pensait, Victor Anderson, qu'il allait pouvoir reprendre sa trajectoire idéale. Ça n'a pas été le cas. Ce qui fait que, pour le coup, ça enlève de la pression à Kobe Powells, qui va pouvoir se concentrer sur John Filippi. Alors, est-ce qu'il va y avoir une attaque à l'épingle du lycée pour Powells sur Filippi? On va attendre ça. Là, on a les deux voitures de tête. Le retour. Ah, il a un petit peu de marge. Non, il a de la marge maintenant, Filippi. Allez, ça devrait être bon pour le Français, qui se dirige certainement vers la troisième marche du podium. Alors que devant, eh bien, Tom Coronel et Dusan Borkovic, eux, vont terminer dans cet ordre. Oh, attention là, du côté de Pouémiron, il est revenu, le pilote Hyundai. Mais il ne trouve pas l'ouverture, pas de petit bisou comme vous l'aviez annoncé. Moi, ça fait longtemps que j'aurais dédicacé l'arrière. Voilà, mais là... Non, ils n'osent pas. Bon, après, au prix des pièces, peut-être qu'on se resterait à le faire. Victoire dans quelques instants de ce pilote, la numéro 34. Applaudissements à Tom Coronel. Suivi de la 62 de Dusan Borkovic, le Français John Filippi termine 3ème et va garder sa seconde place au championnat. Tom Coronel conforte lui son leadership. 4ème pour Kobe Powells, le pilote de la 22. Victor Anderson, la numéro 10, et 5ème. On va attendre le reste du classement. Christian Philippon vient de franchir la ligne également en 9ème position. Nous devrions avoir dans quelques instants
la voiture de Lewis Brown, la 39 qui vient de passer 6ème position. Victor Davidowski va être 7ème. Dorian Dutille 8ème. Olivier Lopez qui a abandonné un petit peu plus tôt dans la course 10ème. Isaac Smith 11ème. Et Eric Kerol qui s'est accroché du côté du virage de la gare au tout départ de cette course. Bien dommage pour le pilote palois. Et pour lui, 12ème meilleur temps. À l'actif de Tom Coronel en 1:23.492, ils ont fait avec une vitesse de 119 km/h de moyenne le tracé palois. Merci beaucoup Eric, merci Mathias pour ces commentaires. Alors que vous voyez ces dernières images avec ce tour d'honneur effectué par ces pilotes qui nous ont fait du beau, du très très beau spectacle. On va les retrouver évidemment dans quelques instants du côté du podium, mais profitons de ces images sous le soleil ici à Pau. Les applaudissements du public au fur et à mesure de leur passage du côté de Foch, du côté de Beaumont. Et lorsqu'ils vont revenir ici du côté des stands, c'était la première édition du TCR Europe ici à Pau. Ça a tenu toutes ses promesses avec une discipline qui promet de se décarboner dans les mois à venir et que nous pourrons réaccueillir ici dans un nouveau format décarboné dans les semaines, dans les années, en tout cas et dans les mois à venir. Je vais y arriver dans l'ordre et dans les ordres. Regardons les commissaires de course saluer ces différents pilotes au fur et à mesure de leur passage. C'est ça aussi la singularité de Pau, c'est ça aussi l'ambiance particulière qui règne ici, ce contact quasi direct entre les pilotes, les compétiteurs et le public passionné, le public curieux, le public interrogatif, les habitants de la ville et ceux qui viennent des quatre coins de France pour cette compétition dans sa version moderne, tournée vers les nouvelles énergies, dans sa version classique la semaine prochaine. Nous n'en sommes pas là, mais sachez que la semaine prochaine, nous conserverons la réalisation vidéo et que pour la première fois, vous assisterez également à toutes les courses du Grand Prix classique sur écran vidéo géant placé aux quatre coins du circuit ainsi que sur le live streaming. Ça sera la semaine prochaine. On n'en est pas encore tout à fait là. On reste avec ces images quelques secondes avant de regarder le podium. Ces très très belles voitures qui nous ont accompagnés depuis quelques vues du public présent dans les tribunes. Les tribunes sèches, les places sèches pour l'instant. Pourvu que ça dure. De magnifiques, magnifiques, magnifiques bolides étaient présents parmi nous. Allez, on se retrouve au podium dans quelques instants. Publicité, à tout de suite.